Salut à tous, alors maintenant on va changer sur une Africa Twin, le patin de protection du bras oscillant. Alors la référence vous l'avez là pour une RD07A, donc c'est le 52170 MS8005, une magnifique pièce en plastique pour la valeur de 58 euros sur Wimoto, mais on peut le trouver sur Bike Parts aussi. Et en fait ça va ici, ça empêche que la chaîne attaque le bras oscillant. Donc là, je vous montre ça, je viens de démonter l'autre morceau. Ça avait 27 ans, donc 27 ans ça a duré. Il est tombé en morceaux. Juste nettoyage de chaîne, brac, il y a tout qui est tombé par terre. Du coup, il va falloir le remplacer. Pour ce faire, c'est quand même une sacrée saloperie. Il faut défaire l'écrou qui est ici pour l'axe. J'ai fait un petit repère, mais normalement il y a un petit point, donc à ce niveau-là, c'est bon, c'est repéré. Donc je sors l'axe du sélecteur, donc il faut venir tout doucement quand ça y est et il sort, hop, d'une main j'ai réussi. Je vais enlever le carter de chaîne, 1, 2 et il doit y avoir 3 vis normalement. Je vais enlever le carter de chaîne et je vais venir glisser le patin tendeur, le patin de protection, pardon. Et là, cri d'horreur, oui, 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 oui. Tiens, lève ça, tu vois ça, tu pètes les plombs. Le gars, il était abonné à la bombe de graisse, mais par-dessus la merde. Donc maintenant, il va falloir tout nettoyer avant de remonter le tout, bien sûr. Allez, c'est parti. Voilà, de retour, après avoir tout nettoyé, j'ai trouvé le produit qui va bien. Le petit wheel cleaner de chez Ippon. Un petit coup, et c'est tout propre. Bon, on va faire les petites finitions, là, il y a 2-3 imperfections. Et après, on va monter le patin. Alors, il faut pas se faire avoir, j'ai dû tomber le pignon, donc il a fallu desserrer à l'arrière l'axe, reculer, avancer la roue, sortir la chaîne et ensuite rentrer en ciseau le patin qui est là. Donc là c'est bon, il est bien mis en place. On peut tout remonter au sens inverse, donc remontage du pignon, de la chaîne, tension de chaîne. Voilà, ça prend en gros une demi-heure pour changer le patin là en plastique. Par contre, ça va faire du bien. Maintenant, il n'y aura plus de bruit et la chaîne, elle frottera librement sur ce patin. Allez, je vous dis à bientôt. On remonte tout. Ciao.